Salut à tous et bonheur, c'est RPG Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle parce qu'à la fin de cette vidéo, je te garantis que tu vas voir un aim incroyable au clavier souris. Mais avant que la vidéo commence, je t'invite à me démonter cette barre des pouces bleus. Comme je me répète à chaque fois, je fais très peu de vues. Je suis pas là pour me plaindre, mais je remercie chaque personne qui laisse son pouce bleu, qui commente, qui me donne des idées de vidéos en commentaire. N'hésitez pas si t'as des idées, que ça soit en rapport avec Fortnite ou l'informatique, n'hésite pas, je suis ouvert. Et si c'est pertinent, je le ferai avec grand plaisir. Je suis également coach, c'est-à-dire que j'ai une auto-entreprise. J'accompagne des personnes, que ça soit en informatique, sur Fortnite ou sur YouTube, à s'améliorer plus rapidement. C'est 20€ la séance, ça peut paraître cher, mais t'inquiète, tu seras forcément satisfait. Tout se passe en description si t'es intéressé, n'hésite pas. Tu peux également te sub à ma chaîne YouTube pour 4,99€, je t'accepte en ami, tu deviens plus facilement modérateur. Tu as des grades, des émoticônes et des badges exclusifs sur la chaîne YouTube. Et là, je vais te présenter ma playlist que j'ai créée spécialement pour vous sur Kovacs. Donc pour les personnes qui connaissent pas, Kovacs c'est l'un des meilleurs logiciels de jeu pour s'entraîner et avoir un bête game, que ce soit sur Fortnite, Call of Duty, Apex Legends ou ce que tu veux. Donc si t'as pas Kovacs, tu peux télécharger MLabs. Mais je te conseille quand même d'acheter Kovacs, ça coûte 10-20€ maximum. Tu l'as à vie et c'est vraiment incroyable. Tu as des exercices en illimité. Si tes claviers souris et que tu souhaites t'améliorer rapidement, n'hésite pas à investir dedans parce que l'aim, c'est quand même la base du jeu. Donc, je vais te montrer directement ma playlist et je vais te montrer quelques petits exercices vraiment sympathiques à faire et que tu dois faire tous les jours pour pouvoir vraiment garder un bon aim et être vraiment chaud sur le jeu. Parce que si t'as un bon aim et que tu sais bien éditer sur le jeu, tu vas vraiment être énervé. Et l'aim, souvent, c'est ce qui pêche pour les joueurs clavier souris. Donc, je vais te montrer, hop, je vais dans Online Playlist. Tu vois, une fois que t'es sur le jeu, déjà au début, je te conseille de mettre ta sensi. Donc, tu mets Fortnite, Horizontal Sensitivity, et là, tu mets ta sensi. Donc, personnellement, je suis en 16,6. Tu mets ma sensi là, et si t'as pas la même sensi, t'as juste à cliquer ici et tu mets ta sensi verticale. Donc, sensi verticale, sensi horizontale, ta sensibilité Fortnite. Ensuite, tu mets le nombre d'FPS. Donc, moi, personnellement, je suis en 360 vu que j'ai un écran 360 et je sauvegarde. Voilà, tout simplement, tranquille ou la belette. Là, on va chercher mon petit truc. Donc là, tu vois qu'il y a 28 playlists. Et normalement, il y a RPG Gaming et tu pourras télécharger directement la playlist. Et si je clique dessus, voilà, je te mettrai le code en description. Et grâce à ce code, si par exemple, tu vas ici dans Enter Share Code, tu colles le code. Tu fais search et là, tu vas directement trouver la playlist. Moi, je l'ai déjà, tu vois. Mais toi, tu pourras directement la trouver et la télécharger. Une fois que tu l'as téléchargée, tu la lances. Et là, tu vois, il y a énormément d'exercices. Donc, tu as juste à cliquer sur play. Là, c'est 1 sur 2. C'est-à-dire que tu peux faire 2 fois l'exercice, tu vois, dans la playlist. Et tu as vraiment pas mal d'exercices. Putain, je viens de me rendre compte que j'avais mis le mauvais setting pour la caméra. Donc, la qualité était un peu moins bonne. Je m'en excuse, mais bon, je pense pas que c'est non plus hyper grave. Une fois que tu es sur la map, tu choisis, hop, play. Et là, voilà. Tu peux sélectionner. Bon, si t'as pas les mêmes trucs que moi, tu peux régler directement dans les paramètres. Bon, c'est en anglais, c'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Mais tu peux régler, voilà, tout ce que tu veux, les effets, la vidéo, qu'est-ce qui apparaît, voilà, tout simplement. Donc, c'est ici. Donc, UI, et là, tu peux choisir vraiment qu'est-ce que tu veux faire apparaître. Et là, voilà, je m'entraîne et franchement, c'est très, très bon pour avoir un bon aim. Tu vois, le curseur, il est petit. Je vais pas te montrer tous les exos. Mais quand tu fais play, tu vois, tu cliques bien là-dessus, et bah tu vas avoir un timer de 1 minute. Et après, soit tu peux le refaire, vu que tu peux le faire 2 fois, voire autant de fois que tu veux, ou soit tu passes au suivant. Le suivant, je te montre. Je vais te montrer un peu tous les exos, tu vois. Là, tu dois rester appuyé sur tirer, voilà. Franchement, très bon exercice. L'exercice juste après, c'est l'exercice de Mr. Savage. Là, c'est balle par balle pour entraîner ton aim, et franchement, bah, c'est incroyable. Après, il y a Psalm TF Play King, voilà. Là, tu dois mettre balle par balle, c'est tendu, mais ça se gère. Contact Track, là, tu dois traquer, voilà. Je montre rapidement, après tu testeras ici. Là, tu dois suivre un petit bonhomme, voilà, tranquille de la belette. Une fois que tu l'as dépop, le bonhomme, je vais te montrer. Là, tu dois cliquer sur les cibles. Et bam, 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 etc. Et tu vois que j'ai rajouté les meilleurs exercices pour s'entraîner et avoir un bad aim. Là, c'est un petit truc comme ça. Et ici, je te montre, voilà, tout simplement. Et là, c'est des trucs encore plus petits. Et franchement, si tu souhaites t'améliorer rapidement sur Fortnite, et bah cette playlist elle est incroyable, et surtout pour l'aim. Même des fois pour les mechas, t'es un peu plus chaud, tu vois. Donc si tu veux améliorer ton aim, n'hésite pas à aller prendre mon code là, c'est Kovacs Camping Wide and Grab. Et il y a énormément d'exercices. Et si jamais il y a des nouveaux exercices qui sortent qui sont incroyables, je les rajouterai. Donc si tu veux améliorer ton aim drastiquement, n'hésite pas à t'entraîner tous les jours sur Kovacs. Et tu vas avoir un aim magnifique. Tu peux également t'entraîner sur le jeu, mais Kovacs c'est quand même la base et je kiffe quand même. A vraiment pas mal, c'était top mon aim. J'avais déjà un très bon aim, mais grâce à ça, je suis passé au niveau supérieur. Donc, c'était RPG Gaming. Si tu kiffes ce genre de vidéo, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et à me le faire savoir dans les commentaires. Moi, je vous laisse là-dessus. Si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésite pas à mettre le mot citron dans les commentaires. Et ciao tout le monde!